Sony Interactive Sports, it's in the game. Developed by Sony Interactive Studios, America. Fuck yeah! All NHL logos. NHLPA. Official license. And for the first time in the world history of Old Station, it was the first person hockey player with Food Factory on Ice. With Penguins, Rangers, players, boxers, scores, and masters, and schoolmasters, with full CGI 3D player on OK League NHL Face Off without Nicolas Cage. Salut les nouilles, c'est nous les bienvenus à la saga de jeux vidéo ludique polygonale sur notre bonne vieille PlayStation. J'ai nommé Vieille Station et aujourd'hui on s'attaque au tout premier jeu de hockey sur glace sorti sur PlayStation. Et écoutez comme nous sommes accueillis. Ouais. Ladies and gentlemen, ça va être un bon jeu. Oui, effectivement, c'est le tout premier jeu de NHL, hein, donc National Hockey League, donc hockey sur glace, avec licence. Et on a le choix absolument avec toutes les équipes et tous les clubs qui sont sortis, qui étaient disponibles à l'époque. Hein. On a absolument tous les États-Unis et même, je pense, le Canada. Et je pense que Anaheim est plutôt pas mal, puisque déjà, le nom sort un petit peu du lot. Et regardez en haut, mes petites pattes, il y a le Overall Ranking, hein, qui est en fait des petites jauges qui permettent, plus la jauge est haute, plus la barre est remplie et plus l'équipe vaut le coup. Donc là, on est quand même, on part avec un handicap plutôt certain. Et surtout le logo, hein, qui est un mélange entre Daffy Duck et, je dirais, Jason. Hein, Jason, hein, vendredi 13. Et même Queen est là. On va se prendre un copyright YouTube. Body you a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a pay. Et là, le difficulté, on va se mettre en mode rookie. Rookie, puisque, effectivement, can roll over the place. Rookie, hein, qui veut dire le bleu, hein, parce qu'après, il y a vétéran et maître. Et on va tout de suite y aller, hein, rentrer directement sur le champ de bataille, directement. Et nous sommes donc Detroit, nous sommes en blanc, vêtus d'un petit tutu cyan et violet, et c'est parti! Et c'est parti! Et alors, attention, le hockey sur glace, c'est très sportif, c'est très violent, attention, il y a des équipements assez impressionnants, justement, pour avoir le moins de dommages possible, et nous sommes directement pris d'assaut avec cette équipe de Anaheim, qui normalement doit... Voilà, je sais pas, c'est... Niveau des contrôles, c'est assez complexe. Carré, c'est pour faire des passes comme ici. Et pour la défense, ça se joue qu'avec les gâchettes. L1, R1, L2, R2. C'est ça, c'est là où c'est un petit peu compliqué. Oui, c'est légal. Ah, ça rue dans les brancards, hein, c'est normal. Vous avez les noms des joueurs, hein, les noms officiels, je répète. Les noms des joueurs en haut à droite, mes petites pattes. Et donc pour ce qui est de mes touches préférées, donc je pense que c'est R1 qui donne des bons coups de crosse en plein. Ah, 2 minutes pour avoir. Voilà, j'ai un petit peu trop utilisé les coups de crosse. Donc le hockey sur glace, c'est tout simple. C'est sur une patinoire. Hein, le but est de effectivement marquer un but de plus par rapport aux autres, tout simplement. Et on a le droit à beaucoup de contacts. C'est un sport extrêmement physique, hein, assez rude. Attention, tir! Bon, le Stéphane Lebeau. Et oui, parce qu'il faut savoir que les États-Unis sont effectivement amateurs et donc professionnels de ce sport, mais aussi le Canada, hein, bien entendu, hein, le Canada est très 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 fort là-dedans. Hop, et les engagements se font effectivement à coup de duel de cross, on va dire ça comme ça. Et attention, un petit coup de cross en plein dans les jambons. Qui a la balle? C'est mon gardien. Donc là, on peut faire bouger le gardien. Quoi? Ah, et ben justement, NHL face off, et je pense que c'est juste tout simplement un coup franc. Vous voyez dans cette zone, hein, mes petites pattes, ça c'est juste pour remettre en jeu en fonction des... comme on dirait un coup franc en football, par exemple. Hein. Et c'est une pénalité. 2 minutes, au revoir. Alors je ne sais pas exactement le pourquoi du comment, mais vous voyez, hein, mes petites pattes, que la patinoire est en 3 dimensions. D'ailleurs, si on fait select, juste après cette remise en jeu, voilà. Oh! Il m'a chargé. Non, je l'ai chargé. Je l'ai chargé. J'ai même pas fait gaffe.
C'est celui qui vient de marquer en plus. Donc oui, si on appuie sur Select après la remise en jeu, hein, j'espère qu'il y aura quand même... voilà. Il y a effectivement de quoi changer les angles de vue. Ah, j'essaye de la reprendre. Oui, de manière un petit peu moins legit. Ah là, on se rend compte quand même vraiment de la longueur du terrain. C'est plutôt pas mal. Et monsieur l'arbitre qui voulait tout simplement jouer avec nous. Voilà, oui, vas-y, passe à droite. Hein, je suis en infériorité numérique, absolument. Et très bel arrêt gardien, hein, du gardien qui, effectivement, a encore plus d'équipement de protection que nous autres joueurs de champ. Puisqu'il doit se coucher et arrêter le palais. Hein, puisque il a bien sûr sa crosse pour contrôler le palais. Mais il est obligé, en fait, de faire opposition avec son corps en entier. Donc, imaginez prendre un palais à travers la tronche. Si tu le prends dans les dents, tu peux absolument repartir directement sur un brancard. Donc là, c'est vraiment peu drôle. Oui, premier engagement réussi. On va changer d'angle de vue, histoire de fêter ça. Paf, un petit peu sur la droite. Oui, oui, reprend. Et donc L1, c'est un petit peu moins brut que R1 que je préfère, qui est beaucoup plus efficace, mais qui peut amener une pénalité, effectivement. Oh, je la passe directement à mon gardien. On va essayer de tirer. Non, je pense pas qu'on puisse tirer. Je ne sais pas, après, la touche R2 permet d'accélérer. Histoire de... pas pour dribbler, mais histoire d'avoir effectivement un petit avantage sur les adversaires qui veulent reprendre le palais à coup de cross. Attention. Bim. Et donc c'est la version la plus connue de hockey sur glace, hein, le NHL. C'est vrai que c'est une institution en Amérique du Nord. C'est peut-être pas aussi regardé que la finale du Super Bowl, hein, qui est donc NFL, National Football League, hein, le football américain, mais c'est quand même extrêmement regardé, et surtout au JO, où les Russes auront aussi leur mot à dire, également. Alors, comme pour le baseball, on avait fait un petit épisode sur un jeu de baseball il y a pas si longtemps, mes petites pattes, il y a effectivement le coup des orgues, etc. Pour tout simplement animer le match. Attention, oh oui, c'était un duel, attention, je suis revenu en pleine puissance. Oui, c'est un but pour te rentrant. Et on sait déjà à 3-1, Stéphane Lebeau, hein, tout ça. Enfin, Lebeau qui est, ma foi, le joueur le plus talentueux de cette équipe. Donc, appuyez sur rond comme un benet pour récupérer la... Pas la balle, j'allais dire la balle, mais c'est le palais. Le palais, hein, qu'on retrouve effectivement dans le palais breton. Donc il y a une deuxième forme, enfin une autre forme de hockey. Je pense pas que ce soit l'angle de vue le plus sympa. Ah, donc en limite, attention. Je pense que la balle... décidément, le palais. Alors, viens. Donc, marteler la touche cercle et vous avez des chances, comme ici, de récupérer le palais. Oui, c'est à vous. Attention, bim. Voilà, c'est pas l'angle de vue préféré pour jouer, hein, effectivement. Donc il y a la vue verticale qui effectivement est l'une des premières dans l'histoire du jeu vidéo, je pense. Soit dans les sports co. Attention, la voici. Ah, ça fait du bien. Un petit peu du bien. Et au niveau des derniers contrôles que je n'ai pas évoqués, c'est la touche triangle pour sélectionner ces joueurs. Ah, le petit orgue. Il va monter l'arpège comme ça. Et donc L2 aussi qui sert à parer. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit au niveau des contrôles. Et donc il y a aussi le hockey sur gazon qui permet en fait de pallier à soit au manque de glace, soit au manque de patinoire, et qui est une véritable discipline, qui est devenue la force, une véritable discipline à part entière. Oh oui, là c'était un petit peu trop brut, hein, ça fait très mal. Et du coup, au niveau des spectateurs, vous pouvez peut-être vous poser la question, puisque vous voyez effectivement qu'il y a beaucoup de familles qui passent tout simplement leur week-end à regarder un match de hockey. Eh bien, ils sont tout simplement dispersés tout autour de la patinoire, hein, comme vous voyez à droite avec les sprites. Et il y a de grosses vitres en plexiglas qui normalement doit protéger des éventuels chocs, que ce soit le palais, les coups de crosse ou tout simplement les joueurs, puisque comme je vous avais dit, c'est quelque chose d'assez physique. Et on peut avoir vraiment des joueurs qui sont projetés sur ces grosses plaques de plexi.
et du coup ça peut faire mal, hein. Il y a des dents qui partent, hein. Il y a des dents qui partent très souvent, et lorsqu'il y a un désaccord verbal au fusil, oh oui oui oui, trois arrêts peut-être. Ah non, j'ai pas réussi, hein. Là c'était un petit peu trop, trois arrêts c'était un petit peu trop demandé. Et donc oui, je disais, quand ce sont les joueurs qui se mettent directement un désaccord verbal ou physique, et là effectivement on laisse les deux joueurs, les arbitres laissent les deux joueurs se mettre un petit peu dessus, et ça devient véritablement un jeu de combat. Je sais pas si c'est disponible dans ce jeu là. Oui, je l'ai récupéré, il me l'a passé, interception, petite passe, ah oui, bon c'est un petit peu un échec puisque je suis plus habitué à faire les passes avec croix et tirer avec carré, donc là c'est un petit peu l'inverse. Il y a pas mal de paramètres, il y a pas mal d'arrêts de jeu que je ne connais pas l'existence, puisque le hockey c'est un petit peu de temps en temps, et du coup je suis... Oh, ça fait très mal. Et ça, pour une fois, mes petites pattes, c'est pas moi. Hein. Koslov. Donc niveau musical, hein, y a des petits interludes comme ça qui permettent d'agrémenter un petit peu le... Oh, le fil du match. Attention, il est dur, oui, pourtant on était bien présent sur la glace, oui. Oh, ça va donner... Ouh. Ah, et je l'ai renvoyé, j'ai fait une... Detroit, hein, pour le coup. Ah, c'est vraiment, ils ont synthétisé les champs des supporters. Et on peut passer derrière le but, voilà, c'est ce que je voulais montrer tout à l'heure. Passe, tire. Ah, c'est à côté, c'est pas grave, on la reprend. Oh non, on la reprend pas. Et c'est la fin de la première mi-temps, qui est 2 à 3, c'est déjà pas mal. Alors, c'est un petit peu... Il y a un petit peu plus de buts qu'en football, donc soyez pas étonnés que des fois on ait des 8 à 5, des trucs comme ça. C'est comme si on enlevait le hors-jeu en foot, je pense que ça donnerait des scores assez impressionnants comme ça. On va changer de vue, histoire d'apporter un petit peu de variété. Et c'est parti, on y va, allez, t'es parti, tu marques. Oh oui, très bel arrêt, on y retourne, petite passe. Ah, il me l'a reprise. C'est bien dommage. Alors triangle toujours, et les gâchettes, hein. R1 qui est la plus violente mais la plus efficace. Je répète. Il n'y a pas de dribble. Allez, tu tires. Ça marque. Ça ne marque pas. Et vous voyez, hein, mes petites pattes, hein, que personne ne la reprend derrière, c'est pas très grave. Voilà, et là ça marque en lucarne. Alors faut savoir aussi qu'il y a de très très beaux arrêts, hein, c'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi des pénalties. Et d'ailleurs, juste pour info, si un match nul, là c'est... Bon, là, on mène 4 à 2, donc on va peut-être pas non plus chercher le penalty, mais enfin, les tirs au but. Mais si la prolongation ne donne pas effectivement un vainqueur, eh bien, la séquence de tirs au but est assez spéciale en hockey, puisque en fait, on fait à peu près tout le terrain. Enfin, on part du milieu de terrain, on fait un petit peu ce qu'on veut avec le palais, et on avance vers le gardien adverse, et on essaye tout simplement de le leurrer. Mais tout seul, face à face, et ça donne souvent que le gardien remporte le duel. Donc comme quoi, hein. Comme quoi des fois, hein. Boum ! Boum ! Ah, c'est dommage, vas-y, reprends. Ah, c'est vrai que c'est... On reste assez concentré, surtout pour une première, hein. Allez, petite patte. Ah, la défense était là. 31G, ça fait beaucoup d'un seul coup. Voilà, on est tous là. Oh oui, très bel arrêt. Ça balerait d'un coup de crosse, hein. Là, un coup de crosse, par contre, là, il va te le prendre dans le... Oh ! J'en ai éliminé deux. J'en ai séché deux. Je suis désolé. Et pourtant, il est revenu. Donc, je sais pas s'il a... Je sais pas si c'est pour moi. Donc, du coup, hein, l'engagement n'est pas certain. Hein. C'est-à-dire que si tu fais une... Bon, voilà. Si tu fais une remise en jeu, t'es pas certain de l'avoir, hein, même si c'est... Même si ça te l'appartient. Donc, c'est là où ça amène, effectivement, des échauffourées de temps en temps. Allez, arrête là. Allez, ça c'est pour moi. On va accélérer avec R2, on va faire une passe et on va tirer au but. Oh non, je me suis fait sécher. Mais ils n'avaient pas le droit. Et voilà, ça paye, hein, directement. Fedorov. Je vous avais dit, hein, les Russes ont leur mot à dire. Ok. Allez, on martèle le bouton cercle. Apparemment, il y a beaucoup de petites musiques ramenées à l'orgue, hein, dans ce jeu. Et donc ce n'est pas un jeu totalement en 3D, mais ce n'est pas gênant puisque les sprites... D'accord, je l'ai un petit peu trop poussé sur le plexiglas, hein. Et n'oubliez pas, en vitrine, vos joueurs préférés avec le nez en sang et les dents par terre.
Et les dents dans la glace, il sera conservé, vous inquiétez pas, vous pourrez le conserver pendant plusieurs jours puisqu'il est déjà dans le congélo. Vous le demandez, vous le commandez par téléphone et on vous le livre directement sous glace. Vous n'avez plus qu'à le décongeler avec un coup de micro-ondes ou un sèche-cheveux. Et c'est en que cinquième but. Stéphane Lebeau est vraiment le plus fort de cette équipe. 3-5, je vous avais dit, hein, ça enfile. Bam! Ah, je crois qu'il est complètement par terre. Ah, ce serait bien de provoquer quand même un combat, un duel. Ah, non. Ça aurait été bien. Mais je sais pas si c'est dispo. En tout cas, c'est quand même très très bien. On va changer d'angle de caméra, histoire de... Et vous pouvez vous dire, hein, mes petites pattes, mais les buts, ils ont l'air extrêmement tout petits. Comment on peut mettre un tout petit palais là-dedans alors que le mec, il est presque deux fois plus gros que le but. Oui. Eh ben, ça se fait gentiment, hein. On l'a déjà fait 8 fois, là. Enfin, ça se fait gentiment. Il faut quand même beaucoup de skill pour maîtriser juste un petit palais. Avec une crosse sur la glace, sur des patins. Ça, c'est quelque chose d'assez fou. Interférence. Ah, donc à mon avis, il avait... Comme il saute ça, tranquille. Wouah ! Starsky Hutch, quoi, tranquille. Interférence, il y avait peut-être un poste radio à la Silent Hill, on sait pas. Ah, c'est pour moi. Voilà, passe. Et ça marque. Ça ne marque pas. Ah, encore un... Et ça, c'est moi. Hein, une partout. Ok, palier au centre. C'est parti. Paul Caria. On entend bien l'engagement. le martèlement. C'est mon côté track and field. Oui, ça passe. Les petites pattes, croyez-en, croyez-le. Si, allez, c'est bon ça, si c'est légal. Ça siffle pas en Angleterre. Non ! Bah, ni aux États-Unis apparemment. Hein. Allez. Donc il faut marteler en fait, hein, le bouton R2 frénétiquement pour accélérer. Hein. C'est pas juste en enfonçant. On va pas y arriver comme ça. Oui, c'est une astuce. C'est une astuce que j'ai appris en buvant du Beaujolais nouveau. Ah, oui ! Encore Stéphane Lebeau. Voilà, je veux pas dire, mais y'a que lui qui marque. Donc là, en fait, il n'y a pas de ralenti, hein, sur ce jeu, c'est bien dommage, mais si vous repassez la vidéo juste en appuyant sur J, vous aurez 10 secondes avant. Eh oui, c'est les petites subtilités de YouTube. Eh bien, en fait, on peut s'apercevoir que je voulais faire la passe... voilà, je voulais faire la passe à celui qui était démarqué dans l'angle, et en fait, la trajectoire de la passe a permis au palais de rentrer tout simplement dans le but. Donc c'était une passe cadrée directement... dans les cages, alors que je voulais la passer tout simplement à celui qui était plus derrière. Oh, je l'ai séché. Alors n'hésitez pas à tous ceux qui aimaient bien tacler le gardien dans les jeux de foot, notamment FIFA 99. Là, n'hésitez pas, vous avez le droit. Vous avez tous les droits. Enfin, c'est pas non plus du football australien, mais vous avez quand même tous les droits. Là, boum, 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 oui, ça c'est bon. Une, deux, ah, c'est un petit peu trop rapide. Et l'inertie est vraiment très très bonne, hein, sur ce jeu. Oui, de la trompe. Ah. Toujours les arpèges, hein, qui montent. Et là, c'est assez dangereux pour notre camp. Il nous reste, attention, 2 minutes 40. On va le récupérer. Oui, exactement. Ah, c'est un score de tennis, hein, mes petites pattes. Allez, récupère. J'ai pas fait de faute. Si, j'ai fait... Allez, passe. Non. Ah oui, je suis revenu dans mon camp. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Là, c'était extrêmement nerveux. On peut noter aussi les pubs, hein, que je ne connais pas. Si vous connaissez mes petites pattes, Willman, etc., Toft, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je suis absolument avide d'informations, oui. Ouais, j'aime bien apprendre un petit peu plus. Ah, je l'avais arrêté, là. Je sais pas si on peut contrôler le gardien à part. En tout cas, ça nous ramène peut-être à des prolongations, comme ce que je disais tout à l'heure. Hein, on s'est pas forcé, mais c'est vrai que ça peut être sympa. Ah, j'aurais pu le sécher. C'est vrai que les gâchettes, c'est pas le truc le plus instinctif quand on a l'habitude de faire des jeux de sport habituellement. Ah, il va falloir accélérer. Très bel arrêt, je l'ai toujours pas. Ah, il l'a à droite, hein, vous voyez. Hop, ouais, je l'ai poussé, c'est bon, on accélère, et on tire, c'est parti. Oh ! Alors, le premier truc à apprendre, hein, donc juste après l'entraînement de la crosse, en fait, si on est gardien, c'est effectivement de serrer absolument les jambes et en fait de se mettre à genoux et de replier les genoux vers l'intérieur.
Comme ça, étant donné que les protections sur les jambes sont absolument très très grandes, hein, on dirait vraiment des rabanes. On dirait vraiment des rabanes. Vous savez, c'est ce genre de grande étendue de paille qui remplit les plages l'été, hein, qui se met plein de sable partout. Et bien, en fait... En fait, ils ont des rabanes sur le niveau des protèges tibia, quoi. Et là, ça permet de bloquer à peu près un tiers des cages. Donc ça, c'est extrêmement important, puisque les joueurs visent aussi entre les jambes, puisqu'il faut absolument avoir la moindre faille... Non, c'est rentré, c'est n'importe quoi. Ça, c'est un scandale, ça, monsieur. Ah, c'est un scandale. Je me barre. Salut. Mec, on peut plus, tu sais. Et effectivement, pour passer ce tout petit palais, on va essayer de danser... Oh là là, 5 secondes. Allez, je tire. Ah non. Effectivement, pour loger ce petit palais dans les cages, c'est vrai que c'est pas simple. Pas simple, donc il faut absolument exploiter toutes les failles humaines, exactement. Eh bien, ça rallonge un petit peu le plaisir, mes petites pattes. Ah, vous y attendez pas, celle-là. Hein. Eh bien, si. On va essayer... de voir ce que ça donne. Encore un petit coup. Bah, qu'est-ce qui se passe? C'était bien le sens où il fallait attaquer. Même l'organisme reste circonspect. On change d'angle de vue. Non, pas celui-là. pas celui-là. Un gros coup dans les roupettes. Allez, c'est parti. Un parti vertical. Non, mais c'est illégal, monsieur, ça. Aïe, 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 aïe. Hein, ça part très très mal. Ça commençait bien, mais alors... Oh non! C'est plus un attentat à la pudeur, là. C'est carrément de l'exhibitionnisme. Là, il veut le marquer, hein. Il veut le marquer aussi bien que nous. Oh là, c'est chaud bouillant. Oh là 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 là. Ça amène beaucoup... beaucoup de difficultés. C'est assez dynamique. Là, c'est beaucoup moins mou que... Ça rattrape les à peu près les 3 épisodes qui sont passés juste avant. Une petite patte. Ouais, c'est un peu mou. Bah là, pour le coup, on est servi niveau dynamisme. Oh là là, et c'est lui qui domine. Hein. Pour le coup, il s'accapare le palais du début à la fin. J'essaye de contrer. C'est compliqué, ça va être très très compliqué tout ça. Voilà. Voilà, bah oui, il a chargé un petit peu comme il ne fallait pas. Petit bug du jeu. Ça fait toujours plaisir. On aurait dit le menu pause, mais pas du tout. Et on reprend. On reprend gentiment. Allez, c'est pour moi celle-là, c'est pour moi. Parce que c'est toi qui as fait la faute. Allez, but. Oh, poteau. Oh, le poteau. Allez, on va se le sécher, ça devient extrêmement violent tout ça. Allez, bourre. Tu la reprends. Oui, ça c'est bon, ça c'est très bon. Oh, ça c'est violent. Oh, les deux, quoi. Putain, ce survivor, c'est Guile, quoi. Oh là là. Ah, il y a des violences sur cette planète. Quoi? C'est pas offside, là, mais non, monsieur l'arbitre, là. C'est un gomplot. Je la récupère même pas, hein, comme je disais hein, tout à l'heure, mais tout à l'heure. Pousse. Pousse, il y en a qui gloussent, d'autres ça mousse. Et d'autres gloussent. Quand tu le secousses, il mousse, exactement. Deux génies de la chanson, hein, pour le coup. Hein. Serge Gainsbourg et Samy Lasseri. Après tout, nous sommes des artistes. Allez, tire. Ah, c'est assez dangereux. Alors là, c'est dynamique. Hein. Là, tout le monde a envie de marquer son but. Et nous ne quitterons pas d'ici là. Offside. Et voilà. Et ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Oh, ce son midi. Magnifique. Et voilà. Et c'était le but de fin de match. Et malheureusement, nous sommes remontés à 6 à 7. C'est bien malheureux, mais il faut faire ainsi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, mes petites pattes, puisque c'est quand même un sport qui s'adapte agréablement bien en jeu vidéo. C'est étonnant que ce soit sorti si tard sur PlayStation, mais force est de constater qu'il y en avait déjà sur SNES, sur NES.
Il y a eu beaucoup de jeux de hockey. D'ailleurs, c'est peut-être... les jeux de sport sont quand même les premiers à être adaptés en jeux vidéo. En tout cas, celui-là est quand même assez fun. Il manque un peu la 3D, mais ça arrivera puisqu'il y en aura eu plusieurs qu'on fera hein, quand ils auront 20 ans, mes petites pattes. Je vous dis matané pour certains. Je vous dis à la prochaine pour d'autres. Et pour tout le monde, je vous dis ciao !